Bonsoir, merci pour être aussi précis dans vos arrivées et aussi surtout très attentif. Je vais essayer de parler au micro, mais pas trop parce que ça résonne beaucoup. Simplement, c'est le cours 17, l'étoile, et on va prendre prétexte de cette étoile pour parler de ce qui se passe, qui permet de passer de la métallurgie ordinaire à l'alchimie. Qu'est-ce qui veut commencer sur ce thème? Aux besoins, j'ajoute, je rectifie ou je retire. Qui se sent d'aplomb? Tony, tu voudrais faire un petit tour de la question, s'il te plaît? Apparition de l'étoile. Oui, c'est ce qui est recherché parce que c'est la marque même de l'arrivée de l'esprit dans la matière. Il y en a déjà, mais il est à demeure et il est le même partout. Là, il y a un supplément qui vient du ciel et c'est là la différence qui fait le philosophe s'il comprend ce qui se passe. Alors, si tu te sens d'aplomb, tu fais le parallèle avec la religion chrétienne. Ce que j'en dirais, c'est que l'apparition de l'étoile manifeste l'apparition du souffre. Oui, en langage clair, c'est cela. Et auquel cas, tu peux faire le parallèle avec l'épopée chrétienne. Voilà, il est dans la crèche, c'est-à-dire dans la profondeur de la matière, et il rayonne, et tout autour de lui, il y a des gens qui sont venus l'admirer, parce que la chose est rare. C'est le retour, en quelque sorte, de la philosophie hermétique dans la clique qui est partie et restée. Vous verrez dans ma prochaine conférence, il y a une image assez singulière, on voit les pérégrinations de l'armée d'Hannibal. En 11 ans, ils ont fait presque 2000 kilomètres. Il y en a d'autres en 40 ans qui ont fait 1400 km. Et donc c'est bien, le moment où l'étoile se présente, elle vient de quel côté? Quel côté? Du point de vue de l'orientation. Du nord? Non, elle ne vient pas du nord, elle vient de l'est. Ça sous-entend quoi? Qu'elle est de la même nature que le soleil lui-même. C'est une étoile, et comme toutes les étoiles. Alors, c'est le moment de dire la relation entre Stella, ST, fixation, elle, le nom même de la divinité, qu'on trouve dans Illustre, etc. C'est bon? Et ce qui va nous intéresser bougrement, c'est comment tu obtiens cette étoile. C'est comme au ski, hein? Tu passes ta première étoile, il faut quand même travailler. On s'en fiche, on va arrêter là parce que c'est bien net. Mais n'hésitez pas à travailler ça, c'est peut-être le plus important de tous les textes que vous pourriez rencontrer parce qu'il est très complet. Et vous avez vu, ne serait-ce que pour le mot fleur, bien étudié, vous avez de grandes indications utiles. Mais je vais terminer sur une indication pratique, à savoir en chimie ancienne, la fleur c'est la partie qui s'élève lorsqu'on fait cuire quelque chose dans un vase et qui se dépose sur les bords. Et généralement c'est la partie la plus volatile et conséquemment la plus pure. On la récupère, cette fleur, la fleur de soufre par exemple, avec une plume dans le col d'un distillateur, etc. On fait ce qu'on veut. Mais là, c'est vicieux parce qu'il dit, faut faire attention parce que tout ce qui fait la fleur, c'est-à-dire son odeur, sa couleur, un petit trop de feu, ça fait comme les fleurs au soleil, ça se fane, etc. Ça n'a plus d'activité. Donc il faut être très, très, très rigoureux sur le niveau de feu qu'on va donner. Et c'est un feu double, parce que c'est le feu du pompier, du cuisinier, de qui l'on veut, mais également c'est le feu interne. Si on l'active trop, il s'en va. Donc ça, c'est la leçon très importante de ce chapitre. On va arrêter aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure depuis un bon moment. Et on a 4 mots dans cette devise, on a 3 en fin de cours, comme d'habitude. Mite, non. Ite, missa est. Et donc, les 2 mots qui terminent également, toujours les mêmes, santé et chance, chers amis. On se dit à mercredi, mais notez ceci, vendredi, pour des raisons d'occupation, il y aura une centaine de personnes là, et on ne peut pas faire le cours tel qu'il nous est proposé entre 15h30 et 17h30, donc il n'y aura pas de cours. C'est comme si on le supprimait, hein. Donc il n'y aura pas de philo cette fin de semaine, c'est comme ça, et ça vous fera du repos, profitez-en pour réviser. C'est noté. Merci.